Salut tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Grand Prix de Turquie 2006 sur le circuit de Istanbul. On va laisser du coup, on va lancer du coup la séance de qualification. On se retrouve comme d'habitude juste après. A tout de suite. Allez, de retour après ces qualifications qui ont été désastreuses, puisqu'évidemment il a plu. Et j'insiste surtout sur un truc de fou dans le jeu. Donc il pleuvait, hein, je précise. Massa en Q1 fait une 31. Voilà, une 31 sous la pluie. Non, on est, le passage en Q. Passage dans les 16 premiers, il fallait faire une 35. Donc il y a déjà 4 secondes d'écart. Et pour couronner le tout, nous on a fait une 38 quelque chose. Autant vous dire qu'on avait quasiment 7 secondes de retard. Et 7 secondes de retard avec en plus des temps en 1.31 qui sont quasiment proches des temps sur le sec. Donc moi je veux bien, mais il y a un moment où il y a quand même le jeu, là il exagère un peu. Ouais, les temps autour. On est avant-dernier hein, du coup, 36-3. 36-3, je pense que j'aurais même pas pu faire mieux que la 19ème place. Franchement, j'aurais pas pu faire mieux. Bon, enfin, c'est pas grave, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Ça serait au moins la bonne nouvelle de cette course. On va lancer le début. Nous verrons bien. Et il fait beau. On dirait que ça fait des heures que les pilotes attendent le signal du départ. J'ai raté mon départ. Alors on va faire attention. La dernière fois on avait complètement tout perdu au premier virage. Enfin premier virage. Premier. Ah, déjà j'ai coupé ça. Hein. On avait tout perdu dans la chicane, je crois, au deuxième tour. Parce qu'ils avaient pilé d'un coup. Ouais, c'était ici. Oh mon dieu, attention. Alors attention, les vibreurs, oh là, attention. Ouais bah là, vu que je peux pas me remettre sur la piste, ça va être compliqué. Oh, l'emballage des roues, attention. Emballement des roues entre les deux. Donc ici, le pire endroit du circuit pour moi, puisque je ne sais absolument pas... Allez vite. Ouais, je ne peux même pas tourner, hein. C'est comme la dernière fois. Du coup, ils le prennent tous à fond. Moi non, c'est pas possible. J'ai 75% d'aileron, au cas où. Ça peut vous aider. Non! J'ai 75% d'aileron, et puis voilà. J'ai pas du tout une voiture en position de faire quoi que ce soit sur ce Grand Prix. Donc ça va pas être la fête comme en Hongrie, normalement. Putain, j'ai pas réussi à freiner assez. Attention au bord, voilà. Allez, vas-y, remets-moi un coup. Allez, un premier tour très très brouillon. Voilà à quoi ressemble la course après le premier tour. Schumacher mène la danse. Deuxième, Fernando Alonso. Massa est à la troisième place. Barrichello, quatrième. Juan Pablo Montoya occupe la cinquième place. Trulli à la sixième place. Il était septième. Septième, Giancarlo Fisichella. Il a dégringolé depuis la sixième place. Et Raikkonen est en huitième position. Alors on va essayer de recoller. Oui, hop. Si je le prends à fond, ce que ça fait chez moi, je pars totalement à l'extérieur. Quand eux arrivent à le prendre à fond, et en plus arrivent à avoir une meilleure vitesse de pointe. Donc je sais pas ce qu'ils ont comme setup, mais il y a quand même un truc qui va pas. Ce premier tour a quand même été catastrophique. Et c'est entièrement de ma faute.
Pourtant, j'ai réussi à avoir un réglage assez stable dans la... pour la voiture. Ce que je n'ai pas du tout en... en début de séance. Notamment surtout les points de freinage. La voiture avait tendance à glisser énormément de l'arrière. Ce qui fait que c'était quasiment impossible à la tenir. Donc là, c'est beaucoup plus stable. Mais je ne peux quand même pas la faire aller où je veux, quoi. Donc c'est compliqué. Bon là je l'ai un peu mieux pris, mais ça reste quand même 3 à 4 dixièmes plus long que les autres. C'est un grand prix qui devrait être assez court d'ailleurs, parce que le temps autour est pas très élevé. Ah, mais il y a un abandon, et en plus j'ai de l'huile qui était juste devant moi, c'est magnifique. Quatrième tour de ce Grand Prix, Schumacher mène la danse. Et idée. Deuxième, Fernando Alonso. Massa est à la troisième place. Barrichello, quatrième. Juan Pablo Montoya occupe la cinquième place. Trulli à la sixième place. Septième, Giancarlo Fisichella. Et Raikkonen est en huitième position. J'ai tellement perdu du temps dans le premier tour que je pense que j'ai détruit toutes les opportunités. Il faudrait vraiment qu'il se passe... vraiment qu'il y ait 10 ou 15 abandons devant pour avoir une chance. Et 0,09 secondes avec Montero, vous allez voir maintenant comment ça va s'établir après. Ah mais ça va être faussé parce que dans la chicane je suis quand même plus rapide que... Non, 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 pas le vibreur, en secours. Fernando Alonso fait ici son meilleur temps jusqu'à présent. Il vient de... Ouais, j'ai perdu deux secondes. 1:29.5. Felipe Massa le voit s'éloigner sans pouvoir s'accrocher. L'écart est maintenant de 1:03. Et voici le top 8. Schumacher mène la danse. Deuxième, Fernando Alonso. Massa est à la troisième place. Barrichello, quatrième. Juan Pablo Montoya occupe la cinquième place. Trulli à la sixième place. Septième, Giancarlo Fisichella. Et Raikkonen est en huitième position. 2:09. Sur le côté. Sato étant à 6 secondes, il faudrait, si j'arrive à dépasser à la rigueur tout le monde, ce qui va être très improbable. Mais bon, imaginons. Potentiellement, voilà, je me suis loupé, ça je m'attendais encore une fois. Potentiellement, j'aurais pu terminer 16ème, voilà. Comme je fais des erreurs à tous les tours, ça n'a pas aidé.
Oh, faudrait qu'il pleuve, comme en Hongrie. Allez, l'aspiration sur Montero. Voici le classement des 8 premiers de la course. Schumacher mène la danse. Deuxième, Fernando Alonso. Massa est à la troisième place. Ouh, il a un super gris. Bah, j'ai l'impression qu'il est pas très beau là. Il était 7ème. Trulli est 7ème. Et Raikkonen est en 8ème position. Magnifique dernière portion, la plus rapide jusqu'ici. Avant, attention. Une W sur Toyota. 18ème, 18ème. La fin est en vue, plus que 5 tours. Quelle performance! Et voilà! Au secours! Nous en sommes aux deux tiers de la course. Schumacher mène la danse. Deuxième, Fernando Alonso. Massa est à la troisième place. Barrichello, quatrième. Juan Pablo Montoya occupe la cinquième place. À la sixième place, Giancarlo Fisichella. Alors, speed doit être à combien? 8, 9. Position. 5 et 6. Bon, vous voyez tout à l'heure les tours quand je disais qu'il y avait 7 secondes ou 6 secondes. Je perds tellement de temps que ça sert à rien. Par contre, c'est étonnant que Scott Pitt n'arrive pas à dépasser Sato. Ah, mais purée, mais c'est pas vrai! Il faut toujours que je fasse une trajectoire différente qui est pourrie à chaque fois, je comprends pas, hein, c'est impressionnant. Il suffit de faire toujours la même trajectoire et je fais toujours une trajectoire différente. Incroyable. Putain, ouais, je me suis raté au freinage du coup. Pff, ouais, rien à faire. Rien à faire sur ce circuit, je suis trop nul. Qu'est-ce que je suis nul? Bon, je m'y attendais 2 heures avant, hein, les trucs nuls sur ce Grand Prix, comme la dernière fois, mais bon. Là, franchement, que d'erreur. Que d'erreur. Ouais, mais ça sert à rien. Alonso a de gros efforts à faire s'il veut décrocher une bonne place dans les derniers tours de la course. Mais on dirait qu'il y travaille. La bataille est loin d'être. Ah là, je l'ai presque bien pris le triple 8. Bien être en danger. Pour l'instant, l'écart est de 0,4 secondes. C'est avec beaucoup de classe que Michael Schumacher arrive au terme de ce tour. L'écart est à présent de 0,6 secondes. Alors qu'on entame les derniers tours, Schumacher mène la danse. Deuxième, Fernando Alonso. Massa.
Massa est à la troisième place. Barrichello, quatrième. Juan Pablo Montoya occupe la cinquième place. Michael Schumacher prend une avance confortable. Il a réussi à gagner encore 0,2 seconde et confirme sa position de leader. Allez, 5 secondes 3, 5 secondes 8. Bon, je vais quand même tout donner pour essayer de la rattraper. Michael Schumacher met le paquet dans la deuxième portion. L'écart est maintenant d'une seconde, pile poil. Quatre, cinq, cinq. Michael Schumacher prend une avance confortable. Je voulais tellement de sortir l'orge. Alors qu'on approche de la fin de ce Grand Prix, Schumacher mène la danse. Deuxième, Fernando Alonso. Massa est à la troisième place. 4-2, 4-6. Barrichello, quatrième. Juan Pablo Montoya occupe la cinquième place. À la sixième place, Giancarlo Fisichella. Michael Schumacher est le plus rapide sur cette première portion. Il y a maintenant une seconde, trois d'écart. Sato a été dépassé. Michael Schumacher prend une avance confortable. Il assoit son avance avec 3 dixièmes de seconde supplémentaire. Il reste 2 tours pour tenter de les dépasser. Alonso le suit en deuxième position. C'est avec beaucoup de classe que Michael Schumacher arrive au terme de ce tour. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Le dernier tour vient de commencer et Alonso met vraiment la pression sur le type devant lui. Il ne reste plus beaucoup de temps, alors il ferait mieux de passer à l'action avant qu'il ne soit trop tard. Michael Schumacher sait qu'il doit réagir et c'est bien ce qu'il est en train de faire. L'écart augmente encore, une seconde et 0,7. Mais arrête de me bloquer, Sato, putain, mais c'est pas vrai. Et bon, voilà, c'est mort. Putain, je vais arriver à 60 secondes. Je sais pas quoi, bref, avec les roues. Et du coup, j'ai pas pu rattraper speed. Emballement, voilà, c'est bon. T'es revenu. Mais il est trop loin maintenant. Et en plus, il y a une flaque de. D'huile, mais c'est pas possible. Il y avait une flaque d'huile qui était là et je peux pas la voir parce que justement il y a le drapeau d'ami qui était devant. Ça c'est qu'à mettre la pression jusqu'au bout. Bon, Grand Prix a oublié depuis le premier virage jusqu'au dernier.
vécu un grand prix de Turquie. Bon, Villeneuve finit 10e, ce qui aurait pu être intéressant, mais ça n'a pas marché. Toyota 6. Bon, l'avantage, c'est qu'aucun. Une des équipes de Bordeaux a marqué de poids, donc on perd pas grand chose. Donc Schumacher devant Alonso, Massa, Montoya, Fisichella, Trulli, Raikkonen, Button. Avec lui qui finit un tour. Bon, au moins on finit pas derrière les Aguri et les Toyota. En termes de points, Massa toujours en tête du championnat devant Schumacher. Ah, les Ferrari qui ont écrasé ce championnat, les deux premiers là. Aucune différence ici. Championnat constructeur, McLaren passe devant Honda. Statu quo entre Sauber, Red Bull et Williams. Bon, on verra la prochaine course, j'espère que ça se passera mieux. Je crois que c'est Suzuka le prochain. Monte à la gauche, je sais plus. Ah non, même pas, c'est Monza. Bah Monza, pourquoi pas. On verra ce que ça donne. Je sais plus ce qu'on avait réussi à faire la dernière fois. Enfin, on verra bien. Bon, j'espère que ça vous a quand même plu. On se retrouve du coup pour la suite au Grand Prix d'Italie. Et la prochaine, ciao tout le monde. Thank you.